19h30, bonsoir à tous, merci de votre fidélité, vous êtes branchés sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. À la une de l'actualité de ce lundi 26 décembre, nous reviendrons justement sur les premiers retours des cadeaux de Noël. Nous parlerons également de donc cet accident et de cet appel à témoins lancé par la police de Lille. Et puis nous reviendrons également sur donc les chiffres du chômage qui viennent de tomber pour le mois de novembre. À la une, donc, eh bien, c'est quasiment une tradition. Le lendemain de Noël, vous êtes souvent très nombreux à retourner dans les magasins pour échanger quelques-uns de vos cadeaux, jouer en double, objets défectueux, tout simplement erreur du Père Noël. Chaque année, les raisons de mécontentement sont très variées. Exemple, dans ce magasin de jouets du centre de Lille, cet après-midi, pas de grosse foule, vous le voyez, mais toujours les mêmes problèmes, pièces manquantes ou encore dysfonctionnement. Ici, pas de souci, on vous propose un échange, un remboursement ou même de réparer votre jouet. Alors justement, quel problème avez-vous rencontré ce Noël? Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par Tanguy Lécluse. En fait, j'ai acheté un hélicoptère télécommandé. Bah, en fait, il se trouvait qu'il manquait trois pièces, dont la batterie qui est quand même un élément assez important. Et surtout, il a été utilisé parce que les hélices ont été raflées. Donc... J'espère qu'on va me l'échanger, surtout me le rembourser parce qu'ici, il n'y en a plus. Donc hier, jour de Noël, on met les piles et donc rien ne fonctionne. Le monteur ne tourne pas, donc on vient voir ce qui se passe. Je viens faire un échange ou voir s'il est possible de rembourser. Et puis, qui dit Noël dit aussi souvent repas copieux, foie gras, saumon fumé, bûche ou encore chocolat. Au lendemain de Noël, vous vous sentez peut-être coupable car vous avez peut-être un peu abusé des bonnes choses. Avec le nouvel an qui approche, il faut préparer dès à présent le prochain réveillon. Alors justement, pour ce faire, je vous propose d'écouter les précieux conseils de cette diététicienne, des propos recueillis par notre journaliste Pierre Beauvillain. Elle nous donne quelques conseils donc pour bien préparer ce prochain réveillon. Ce serait bien de privilégier déjà tout ce qui va être fruits de mer, donc les huîtres, les langoustines, les crevettes, alors sans trop de mayonnaise. Après, pourquoi pas une dinde cuisinée simplement avec des marrons et quelques légumes. Et puis une petite salade et après une bûche plutôt glacée qui est quand même nettement moins calorique que la bûche pâtissière à la crème ou beurre. Et puis après le repas, bah, un petit sachet de bicarbonate de soude. C'est vraiment le remède de grand-mère par excellence qui va vraiment aider à la digestion. Même si ce n'est pas bon à boire, mais au moins c'est efficace. Dans l'actualité également de ce lundi, la police lance un appel à témoins après un accident hier soir à Lille. Vers 19h30, une femme de 64 ans a été renversée par une voiture alors qu'elle traversait sur le passage piéton situé face au théâtre à Sébastopol. Le chauffeur a pris la fuite à bord d'un véhicule blanc de marque Dacia. La victime, elle, est toujours hospitalisée. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police au 03 62 59 83 90 ou 83 91. 332 465, c'est le nombre de demandeurs d'emploi dans la région en novembre. Il est en augmentation d'1% sur un mois et de 4,6% sur un an. Dans le département du Nord, on enregistre une hausse du chômage de 1,1% en un mois. C'est quasiment la même tendance qu'au niveau national, en nette augmentation également. En politique, Dominique Planck ne sera bientôt plus élu à la communauté urbaine de Lille. Ce membre d'Europe Écologie Les Verts sera remplacé par Philippe Tostin, compté du 1er janvier prochain, car il démissionne. Dominique Planck conserve ses mandats de conseiller régional et adjoint municipal en charge du patrimoine à la ville de Lille. Avec cette démission, Dominique Planck souhaite ainsi se dégager du temps pour recommencer une activité professionnelle. Bien sûr, il éprouve une certaine nostalgie, lui qui siège depuis 2001 à la communauté urbaine. Mais Dominique Planck laisse sa place car il est également animé par une réelle volonté de renouvellement des élus, tout comme son collègue écologiste Éric Cliquet. On écoute Dominique Planck au micro de Macha Grunessen.
Éric Cliquet avait laissé entendre effectivement qu'il serait plus tête de liste en 2014. Bon, je pense que c'est important pour un mouvement qui prône le renouvellement de ne pas toujours être attaché aux mêmes têtes. On sera toujours là, hein, on ne disparaît pas du jour au lendemain. Et je pense qu'effectivement, dans ma démission, comme dans les annonces d'Éric Cliquet, il y a une volonté de préparer l'avenir, de transmettre ce qu'on a pu apprendre, de ce qu'on a pu faire depuis quelques années dans les différentes collectivités locales, avec la volonté de faire émerger de nouvelles personnes. Si vous avez été bien sage cette année, il vous a forcément gâté ce week-end. Il s'agit bien sûr du Père Noël. Avant d'assurer sa grande tournée du Réveillon, Papa Noël a fait escale à Tourcoing samedi après-midi à l'église Saint-Christophe. L'occasion pour les enfants de prendre une photo souvenir, de récolter quelques bonbons et surtout de lui faire les dernières confidences sur les cadeaux qu'ils souhaitaient retrouver au pied de leur sapin. Bref, de quoi ravir les plus petits mais aussi les plus grands. Écoutez cette réaction recueillie par notre reporter Julie Sico, cette réaction d'une vraie fan du Père Noël. C'est un grand plaisir, j'attendais ça avec impatience et maintenant ça y est, c'est bon. Le retrouver, c'est vraiment une joie et je l'attends toujours avec impatience ce moment-là. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour aimer le Père Noël. C'est la fin de cette édition. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour la météo, l'infotrafic, le tout toujours en direct. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne. Restez branchés sur Grand Lille TV. À tout de suite.